Yo les gens, ici Rafis Fantasy 250, on se retrouve pour une vidéo sur The Bus. Donc nouvelle ligne, aujourd'hui je vous présentais la ligne numéro 800. Donc c'est une petite ligne, pas très longue. Je vais montrer ça tout de suite sur le jeu. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je crois qu'on a 17 arrêts, je crois. Attends, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 8, 16, 12, 16, 17, 18 arrêts. On a 18 arrêts, voilà. Donc on va partir de l'horaire le plus tôt possible et le retour maintenant, ce que je pense que je ferai ça maintenant, et le retour on le fera le plus tard possible. Vous faites là, c'est-à-dire que là en gros je pars pour l'aller, du coup là c'est pour le trajet aller, on partira à 6h03, et pour le retour, donc je sais pas si on pourra sur le retour, on partira sur l'horaire le plus tard, comme ça vous verrez l'arrêt le plus tôt et l'arrêt plus tard. Donc on va partir avec le Scania LF 12 mètres 2D. Donc j'espère que je vais pas avoir de problème avec mon volant, parce que bah, j'ai rebranché mon volant, mais j'ai pas testé avant si ça marchait bien ou pas. Donc c'est parti, donc on va être le matin, très tôt le matin. Il va être 6h03 du matin. Mais normalement j'ai juste rebranché mon volant. En fait mon volant s'est calibré. Et après j'ai rallumé mon PC. Donc, parce que d'habitude maintenant, mon volant, je ne laisse plus brancher quand j'y joue pas pendant au moins quelques jours. Je laisse pas brancher pour pas bousiller le moteur, quoi. Ce qu'on m'a conseillé comme chose à faire. Donc maintenant je vais faire ça. Donc c'est parti, on va y aller. Donc là c'est bon. Donc on est avec ce bus. Donc où j'ai pris un petit skin de Aerosoft. Vous voyez, on a un petit skin Simnex Aerosoft. Donc assez joli, je trouve. Assez joli. Donc on va y aller. On va partir tout de suite. Hop, on va démarrer le bus. Voilà. Par contre, oui, recadre la caméra. Voilà, ça c'est bon. On va mettre en 5. On va faire démarrer. Donc il est alors 9693. Tac. J'espère que vous n'avez pas entendu le bruit derrière, parce que c'est assez bruyant. Hop. Valider. Et c'est parti. On y va. Hop. On va pouvoir attendre que mes passagers montent et après on va y aller. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Pourquoi elle monte pas? Ok, vas-y, tu montes, c'est bon. On va pouvoir y aller. Donc là je vais tester déjà à présent si la touche du volant marcherait bien. Ah c'est bon, le volant. Le moteur, pas le moteur mais le volant. Ouais ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher, c'est nickel. Ça fonctionne, ça c'est cool. Oui par contre, pas oublier de mettre la clim, comme à chaque fois je me fais tout le temps avoir. Alors on va mettre la clim, on va pas la mettre fort, on va la mettre à 1 degré. Bah intensité 1 et on va le mettre à... Allez. Alors on va le mettre à 22 degrés parce qu'on est encore en avril. Donc par contre, petite précision, pour cette ligne, c'est une ligne qui est disponible que la semaine. Vous ne pouvez pas la faire le week-end par rapport aux horaires. Donc on va y aller. C'est parti. Alors. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ligne qui est assez... voyez, la ligne, elle est assez courte. Vous voyez, c'est pas une très grande ligne. Bon, j'aurais dû mettre des chaussettes parce que là, je conduis nu-pied. C'était pas idéalement le mieux pour conduire, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà. Comme ça, j'ai rebranché mon volant pour mon live de ce soir. Donc, au moment que je vous parle, c'est pas la vidéo. Je sais pas si je vais la publier aujourd'hui. Je pense pas. Tout dépend si j'ai le temps ou pas. La publier aujourd'hui, la vidéo. Je prends mon petit goûter en jouant. J'ai pris un petit café au lait tranquillou là. Allez, c'est parti. Ah, il est encore rouge. D'accord, ok. C'est bizarre d'avoir un feu rouge comme ça. Un peu bizarre. Pour y aller. Voilà, nickel. On arrive au premier arrêt. Tac. Bonjour. Morgen. Morgen. Bonjour. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas si je vous fais les deux vidéos aujourd'hui. Bah, l'aller-retour, ça dépend si le trajet long est long à faire ou pas. Tout dépend, je sais pas. J'ai pas testé au préalable. En vrai, il va quand même être long quand même. Je pense que ça va pas être assez court. Ça va pas être court, je veux dire, comme ligne.
Tiens, j'ai pas regardé, je vais regarder après vite fait. Si au moins on a bien la ligne, on a bien la ligne 800. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, donc on est le dimanche 20, 22, je crois, on est le dimanche 22. Aucune nouvelle hein, sur le DLC, bah, les DLC fin de bus, des bus. Pour l'instant, aucune nouvelle. Donc je pensais avoir une info vendredi ou samedi. Mais là, donc ça voudrait dire que normalement les DLC devraient pas sortir la semaine prochaine. Si on n'a pas eu d'infos, c'est-à-dire que ça devrait pas sortir la semaine prochaine. Ça devait sortir normalement fin avril, début mai. Donc là, on est fin avril, c'est la semaine prochaine. Donc début mai, c'est le 1er mai, c'est lundi. Donc je crois pas que les DLC sortiraient la semaine prochaine, je pense. Sinon, Fabien Boulet aura sorti une vidéo en nous disant que les DLC devraient arriver la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc c'est un peu. Voilà quoi. Donc du coup ça sera bien peut-être début mai que fin avril. À moins que ça arrive peut-être vendredi prochain et puis que Fabien Boulek nous sorte une vidéo dans la semaine. Parce que c'est déjà arrivé que Fabien Boulek sorte une vidéo la semaine. C'est pas forcément qu'il sorte une vidéo le vendredi ou le samedi. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo ce week-end sur sa chaîne. Sur Fanvus. Donc c'est pour ça. Bonjour. On y va. Nous on est en avance, c'est bien. Au niveau du temps, on est vraiment bien. Ça c'est cool, on est dans le bon timing. Donc oui, c'est ça que je voulais voir. Si vraiment on avait. Attends, je vais m'arrêter ici. Me mettre pas trop près. Voilà, comme ça. Hop. Voir si on a bien la ligne 800. Théoriquement, oui, on doit voir la ligne 800. Alors lui, il va me gêner avec sa caméra. Attendez. Non, je vois pas d'ici. Je vais descendre d'ici. Je vais descendre et remonter dans le bus après, c'est pas grave. Donc ouais, c'est bien la ligne 800, vous voyez, on a bien le panneau 800. Sur le panneau, il a bien la ligne 800. Donc c'est bien ça, il fait bien partie de cette ligne-là. Donc c'est bien ce que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est bien d'avoir la petite manette de Xbox à côté. Pour jouer, c'est vraiment idéalement, je trouve. Comme ça, vous faites vos manœuvres avec la manette Xbox. Au lieu d'avoir voulu prendre le clavier pour se déplacer. Mais avec la manette, c'est vraiment, vraiment génial, je trouve. C'est vraiment une bonne idée de faire ça, quoi. Ça assez stylé, je trouve. Donc, si la ligne est courte, je vous ferai directement la deuxième vidéo tout de suite. Aussitôt, comme ça j'aurai capturé les deux vidéos. Celui est que 5 heures, je crois. Il est de 5 heures, je crois. Il est de bonne heure. Hop, faut s'arrêter ici. Peut-être avoir le temps de boire un petit coup. J'essaie de faire pas trop le bruit quand même avec ma bouche pour pas vous entendiez trop le bruit de quand je suis en train de boire, mais bon, voilà, après c'est pas. Hop. Bonjour. Donc ça va, il est 6h du matin, donc ça va encore. C'est un trajet vraiment de bonne heure, c'est pas le premier. C'est le premier trajet de la ligne, du coup. C'est le premier trajet de la ligne, donc ça c'est cool.
Après, j'ai remarqué que ces vidéos-là font pas beaucoup de vues. Mais bon, moi, voilà, c'est pas. Comme je vous dis, le nombre de vues, c'est pas le truc qui m'intéresse dans ma chaîne YouTube. Malgré. Bah, je gagne un petit peu d'argent sur la chaîne. Bon, on va dire là, j'ai gagné à peu près ce mois-ci, en 2 mois, je crois. J'ai dû récolter à peu près 80 euros. Donc, c'est pas. C'est pas folichon. Mais bon, voilà, ça vous permet de. Ça permet de me faire plaisir un petit peu, quoi. On va tourner à droite, ici. Voilà, je vais peut-être lancer une nouvelle série sur la chaîne. Alors, je sais pas comment ça va commencer à s'appeler, mais ça serait plus vous présenter des jeux rétro que moi j'avais aimé quand j'étais jeune, par exemple, vous faire une vidéo style découverte de, je sais pas, on va dire Metal Gear 1, vous voyez, faire une petite partie du jeu, ou peut-être le jeu que j'ai joué quand j'étais jeune, pour ceux qui connaissent ma chaîne, quoi, qui savent qu'à peu près j'ai joué avec des premiers jeux. Donc je pourrais même vous faire des trucs rétro, Mega Drive, Super Nintendo, ce que vous voulez, quoi. Mais ça, bah, ce que moi je vais vous présenter, parce que c'est pas vous qui avez décidé, mais ça peut être vraiment pas mal, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut être une bonne idée de faire ça. Ah, plus personne monte. Je vais attendre encore un ou deux arrêts, on va voir où on en est sur la ligne. Ah, merci. Il fait des appels de feu ou quoi le mec derrière, on croirait. Ah, il va être vert. À mon avis, on va peut-être se taper le rouge du coup. Moyenne. Bon, faut y aller. On va peut-être pas se taper le rouge, peut-être pas, non. Voilà, c'est bon. On le reste au vert, ça c'est cool. C'est une bonne chose. Ça me plaît. Donc j'essaie de vous sortir une vidéo sur Farmville cette semaine. Donc après, comme je vous avais dit la semaine dernière, cette semaine c'est les vacances de ma compagne, donc il y aura peut-être pas un peu moins de contenu parce que on pense quand même sortir, faire quelques activités avec les enfants. Donc on va essayer. Alors moi je vais essayer de voir ça. Mais près de chez moi, il y a au parc expo de Rouen, pour ceux qui connaissent Rouen, bon même la ville de Rouen, quoi, qui connaissait un peu de nom, il y a une exposition sur les dinosaures au parc expo de Rouen. Donc c'est à côté du Zénith de Rouen. Donc je vais essayer de voir ça pour y aller, ce serait pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Après on doit aller aussi au cinéma voir Mario, donc le film Super Mario. On doit aller aussi dans un sorte de parc animalier avec des animaux, de la ferme, etc., etc. Un élevage de labradors, tout ça, donc ça peut être vraiment pas mal. Donc on doit faire pas mal de trucs cette semaine, quoi. Donc il y aura un petit peu moins de contenu que d'habitude, ça va être une petite semaine, on va dire. Donc moi de mon côté, j'essaie de vous sortir la vidéo FIFA. Au moins une tous les jours. Donc là, je dois vous en publier une aujourd'hui. Donc je vais essayer de la publier. Celle-là, cette vidéo-là arrivera demain. Donc lundi, je sais plus que j'ai pas mon téléphone à côté de moi, donc je peux pas vous dire c'était quelle date on est. Je vais rien voir là. Bah, de toute façon, dès qu'ils vont se mettre au vert, hein. Faut reculer un peu ou pas. Voilà, on peut y aller. Elle accélère. Ouais, oh, il a du mal à accélérer. Donc on va voir ça. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ça, quoi. Alors FIFA, moi, mon but c'est d'essayer de le finir cette semaine. Le finir cette semaine, toutes mes vidéos. J'essaie de finir toutes mes vidéos d'avance. Que je dois vous publier comme ça, bah, le plus tôt possible. J'essaie de revendre le jeu à Micromania pour me prendre une carte PSN. Alors je sais pas ce que je vais prendre. J'avais vu un petit jeu sur le PlayStation Store qui me paraît pas mal. J'avais vu aussi la sortie de. Pas la sortie, mais. J'avais vu aussi le. Comment il s'appelle la version console qui est en promotion à 10 € et quelques. Comme vous savez que je suis un petit adepte des jeux de gestion. Et j'ai vu qu'il y avait la version console de. Alors je sais pas si. Je sais pas si c'est PS5 ou PS4, ça je suis pas sûr. Je pense que ça doit être que sur PS4. Donc il y a la version.
PS4 de l'édition console de. Comment il s'appelle? Merde, je me rappelle même plus. Roller Coaster, voilà. Le truc de. Vous pouvez créer vos parcs d'attractions. Donc voilà quoi. Morgen. Bonjour. Ben ça va. Il y a mon fils qui est venu derrière. J'espère que vous allez pas en entendre. J'espère pas. Dans la vidéo. Après, c'est pas grave. C'est les aléas des vidéos. Waouh, wow, l'autre, comme il m'a frôlé le mec. Comme ça, vous aurez les deux versions. Vous aurez le trajet aller du matin à l'horreur. Et vous aurez le trajet retour de nuit. Par contre, faut que je me mette là ou pas? Non, je sais même pas. Moi, je sais même pas s'il faut que je me mette là, moi. On va pouvoir y aller. Ouh, ça tremble, le volant il tremble. Ça y a pas trop plu. Voilà. Oh, la petite bécane, je sais pas si vous l'avez vue. On va aller voir comment elle est modélisée, la moto. On va aller voir comment elle est modélisée, j'ai pas encore vu. On va aller voir ça, si elle est bien modélisée ou pas. Ah ouais, pas mal, hein. Alors, je sais pas ce que c'est comme style de moto, mais bien modélisée quand même, la petite bécane, hein. Franchement, les trucs jolis dans le jeu. Hein. Vraiment pas mal, hein. On va y aller, de toute façon, les rouges, le pneu. Le pneu. Le feu est rouge, on va pouvoir prendre notre temps. Par contre, je sais pas si c'est une piste cyclable ici. Je vais quand même être ici, je sais pas si c'est une piste cyclable. On va pouvoir y aller, c'est parti mon kiki. Après les horaires, les horaires, les horaires, les arrêts sont assez proches, je trouve, dans cette ligne là. Il n'y a pas grande distance à faire pour les arrêts de bus. C'est assez stylé, je trouve. Après, Fred Maboulek peut nous sortir une vidéo ce soir aussi également. Le dimanche soir, c'est déjà arrivé qu'il ait sorti une vidéo le dimanche soir. Ou même, je crois que lundi, j'ai déjà vu une vidéo le lundi. Si c'est à peu près quand la date sortira. De toute façon, admettons, si elle, je sais pas en exemple, s'il nous sort par exemple les DLC le 28, si c'est obligé qu'il nous sorte une vidéo là. Soit dimanche, lundi ou peut-être même mardi quoi. Qu'on sait pas. On verra bien, il y aura peut-être une vidéo prévue sur sa chaîne pour nous expliquer quand sortira les. Les DLC. Donc, pour rappel, il y a, la, il y a les Scania, les Scania Touring, je crois, et on a les bus aussi VDL, donc FHD2 et je sais plus c'est quoi les deuxièmes qu'il y avait. Il y a deux sortes. Donc le FHD VDL normal en standard, un peu comme les Touring, bah, les Scania Touring. Et l'autre, c'est un étage comme le, qu'on a deux versions, je crois, à étage comme le Neoplan Skyliner, voilà. J'ai perdu mes mots. Voilà, c'est ce qu'on aura comme bus de présent. Donc là, il y a une sorte de petit brouillard là qui est arrivé là ce matin. Donc là, on est en retard en plus. Ah non, 6h19, non, on est pas en retard. On doit arriver à 6h19, on est pas en retard du coup. On est pas, on devrait arriver à 6h19 normalement. On doit avoir un peu de retard sur notre trajet. Voilà, on est vraiment bien. Tac. Donc, tant les gens montent, à mon avis, je vais t'en retard. Hein.
Il monte ou pas? Non, il monte pas. Je vais pouvoir y aller. Hop, on est parti à l'heure en plus, c'est bien. Ça, c'est stylé. Laisse passer ou pas? Parce que normalement c'est prioritaire à droite. Cette fois d'y aller. Hein. Bon, mais il veut pas y aller. Ah ouais, mais tu fais quoi là? Je sais d'y aller avant lui, moi. Je vais pas y arriver. Ah oui, je pensais que. Ouais, je fais quoi lui? Il prend toute la place, le mec. Donc je sais pas si c'est le dernier A, je pense pas que c'est pas le dernier A celui-là. Je pense qu'on a encore le temps. Waouh, je roule un peu sur la. Sur le côté là, c'est pas terrible ce que je fais là. L'autre il roule au milieu de la route lui. J'ai ma manette qui a vibré là. Ça a déplacé de quelques millimètres. On va aller voir, on est où, on est par rapport à la ligne, on en est où. On est à... Oh, il reste 4 arrêts. Bah, en comptant cela, il reste 4 arrêts. Donc il reste 3 arrêts. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est une petite ligne assez courte, c'est ça qui est bien, ça change un petit peu. Je vais aller voir après, avant de faire ma prochaine vidéo. Voir s'il n'y a pas eu un problème de son, si le jeu a bien été enregistré, tout ça. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où il n'y a pas le son du jeu qui était enregistré, donc on sait jamais, c'est pas que je vais pas avoir de problème. Et une fois, j'avais aussi un problème où il n'y avait pas de ma voix qui avait été enregistrée, donc c'est ça, OBS, ça peut des fois, certains moments, bugger. Donc c'est pas évident, on va dire. Là, je pense pas que ça a bugué. Hein. Comme ça, cette vidéo-là arrivera demain. Mardi, je vous sortirai la vidéo fin de bus et ça va l'appuyer pour lundi. Mardi, je veux dire, et mercredi arrivera la ligne 800, mais retour. Comme ça, je vais essayer de vous publier quelques vidéos dans la semaine quand même. Après, si vraiment j'ai pas le temps de les publier, j'essaierai de maximiser. C'est-à-dire que par exemple, si je suis là, je sais qu'une journée je suis à la maison, que l'autre je suis pas là, bah, j'essaierai de vous la publier d'avance et la programmer pour telle date. Comme ça, j'aurai de l'avance. Bonjour. On peut y aller, c'est parti. Donc là, il est 6h23, ça a pas duré longtemps la ligne, elle a duré à peu près une petite vingtaine de minutes dans le jeu, je veux dire. Pas en réel, mais dans le jeu, ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. Moi, pour moi, ça a duré plus longtemps, je pense. Donc n'oubliez pas ce week-end, donc vendredi, vendredi ou samedi, je sais pas quand je vais vous faire la vidéo, mais arrivera la vidéo découverte de Star Wars Jedi Survivor. Donc arrivera ce vendredi ou samedi, je sais pas quand, tout dépend quand je fais la vidéo, quand je la capture. Bonjour, dépêchez-vous s'il vous plaît les gens, il est vert. Ouais, bah là il y a pas mal de monde en plus. On va aller tout droit. Ouais, c'est parti, wow, ça t'appelle vert, ça c'est cool. Bon, c'est bizarre comme route. Quoi, on va sûrement arriver au terminus normalement. Théoriquement, si je me trompe pas d'arrêt. On va arriver au terminus.
Bon, ligne assez courte, je trouve, quand même. Donc par contre la miniature n'aura sûrement peut-être pas le rappeur avec ma miniature de ma vidéo de précédente, ma prochaine vidéo, parce que j'ai fait la capture avant et j'avais pensé après de faire la ligne noire dans le noir, mais c'est pas grave, c'est pas ça a pas d'importance. Tiens, c'est pas grave, là je vais pouvoir vous faire le montage vidéo en attendant que je publie ma vidéo. FIFA, c'est pas méchant. Bon, par contre, je prends un peu large là. J'ai pris un peu large, c'est vraiment large. De chez large. Faut que je tourne ici? Non, c'est la prochaine. Je vais me faire avoir. Faut que je tourne ici, hop. Voilà, voie de bus. Ça, c'est nickel. Donc là, on arrive au terminus, on va avoir fini cette ligne-là. Donc, assez court, je trouve, comme ligne. Oh, putain, j'ai foncé. Oh, non. Bah non, pourtant, j'ai pas foncé, pourtant. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, allez, hop, vous pouvez descendre. Moi aussi, je vais profiter de descendre en même temps. Donc ça, c'est un peu chiant que le jeu nous laisse pas la liberté, quand même. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez bien, peace.